Bonjour, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de tous vos commentaires et d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Hein. Ça me fait toujours très plaisir. Sachez que je lis vraiment tous vos commentaires. Parfois, je mets un petit peu de temps et puis j'essaie de répondre vraiment à tout le monde. En tout cas, je suis très touchée de votre fidélité. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va regarder un petit peu si les gens qui ont le pass vont pouvoir le garder sans condition, c'est-à-dire sans faire une piqûre de rappel. Hein. C'est ça que je voudrais regarder. Donc, est-ce que les gens qui ont le pass pourront le garder sans condition, donc sans faire encore une injection supplémentaire? On va regarder ce qui sort. Alors, en coupe, j'ai l'hiver et réflexion. Donc, réflexion qui pourrait conduire jusqu'à l'hiver. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des réflexions en ce sens de la part du gouvernement. Alors, qui pourrait mettre ça en place, par exemple, hein, d'ici l'hiver ou sur l'hiver? En tout cas, il y a bien des réflexions qui sont faites en ce sens. Bon. Alors, il y a la liberté ici, le lointain, la stagnation et la trahison. Bon. Ce qui m'embête, c'est que la trahison sort quand même en résultat. Donc, la liberté et le lointain, ben, ça me fait penser au déplacement, hein. Donc, on va les regarder. Est-ce que c'est le pass justement pour avoir sa liberté ou pour voyager? Et là, j'ai les questions de stagnation et après de trahison. On va voir. Alors, il y a un cadeau, ouais. Il y a les restrictions ici et il y a la rapidité. D'accord. Alors, le cadeau, ça peut être la surprise. Bon, c'est quelque chose que l'on donne. Donc oui, c'est bien parce que je suis sur le pass. Donc on donne le pass, effectivement. Donc cadeau, on donne le pass pour avoir accès à la liberté. Et il y a effectivement des restrictions par rapport au voyage. Alors par contre, ce qui me vient tout de suite, c'est que ça vient vraiment me venir comme ça. C'est que là, on va dire que le pass, en l'état actuel des choses, sera positif pour une certaine liberté. Par contre, pour aller dans le lointain, donc pour voyager, il pourrait ne pas être suffisant. C'est-à-dire que là, il serait, à mon avis, nécessaire de rajouter encore éventuellement un rappel ou une dose là pour aller plus loin. C'est-à-dire que éventuellement comment dire, l'accès au lieu, on va dire loisirs, etc. Enfin bref, hein, là où la liberté, le bonheur, ce qui rend heureux, ce serait OK. Par contre, quand on voudrait voyager plus loin, là, ce serait peut-être pas OK. C'est peut-être ça que je vois. Donc, ce serait un peu à double vitesse, en fait. Et là, on a la suite. Alors, l'échappée. Ouais, bon, ben, ça veut dire que les gens, ils vont pas souscrire, hein. On va voir si c'est vraiment ça, si j'ai bien vu de ce point de vue-là. S'il faudra vraiment un rappel pour aller vraiment dans le lointain. Donc, par exemple, si on veut voyager au loin, hein. Prendre l'avion, prendre le train, enfin ce genre de choses, mais pour les longues distances. Et là, par contre, si ça suffit pour rester intramuros. Hein. Et puis là, voir pourquoi j'ai le lièvre. Alors, ici, la mère et l'enfant. Ouais. Donc ça pourrait être aussi pour les enfants. Ce serait pas nécessaire parce que je sais qu'il y a le passe pour les enfants. On va pas revenir sur la question. Hein. Bon. Bref, donc effectivement, pour les enfants. Ce serait pas nécessaire d'avoir un rappel, hein, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a le cadeau là. Et là, alors là, oui, il y aura bien effectivement la nécessité de rajouter encore quelque chose, de forcer, hein, de forcer ici, sur effectivement une dose supplémentaire. Et là, ben, les gens, ils vont pas le faire. Ils vont être contre parce que justement, entre-temps, il y aura des révélations. Donc, ils vont prendre la fuite. Bon. Et alors là, ça veut dire simplement que ça va arriver rapidement. Alors, sachant on arrive lentement vers le dernier décan d'octobre, donc fin octobre à peu près, hein, bah, ils pourraient en reparler effectivement là sur novembre. Hein. Réalisation sous un mois. C'est-à-dire que autant là maintenant, ça stagne, il n'y a rien qui bouge, mais que les choses pourront effectivement évoluer. Donc oui. Oui, je pense que ça peut être ça. Mais les gens, ils ne seront pas d'accord. Parce qu'entre-temps, ils vont découvrir effectivement beaucoup plus de choses
par rapport à l'injection, etc. Et donc, ils vont avoir tendance à prendre la fuite. Donc, ça ne se fera pas. Enfin, je veux dire, si le gouvernement met ça en place, les gens ne le feront pas. On va les regarder encore. Alors, il y a une solution qui va être trouvée à l'avenir. Donc, ça veut dire aussi qu'il ne faut pas désespérer avec ces histoires de passe. C'est que de toute façon, il y aura quand même une clé qui va être trouvée par rapport à ces histoires-là. Donc, pour les personnes qui ont le passe et qui ont fait qu'une injection, enfin, je ne sais pas exactement, je crois que ça dépend de quelle vax vous avez pris, hein, ou deux, voire deux injections, ne faites pas la troisième, s'il vous plaît. Soyez raisonnable, hein. Sachez que de toute façon, il y a une solution qui s'amène là, une perspective. Et que là, vraiment, avec les révélations qui vont arriver, hein, eh bien, vaut mieux fuir. Bon. Alors, voilà. Donc là, on a la solution, donc voir des études ou des réflexions. Donc ça peut être justement le fait qu'on va en savoir plus, hein, sur les conséquences de l'injection. Et que du coup, eh bien, ça va créer effectivement des gens qui vont être contre, hein, tout simplement. Bon. Donc cette histoire-là, ça va s'arrêter d'elle-même. Parce que, encore une fois, les gens vont s'informer. On va aller remettre une carte là. Et puis, il va y avoir de plus en plus de témoignages, etc., etc. C'est ce que je vous avais dit, hein. Voilà, donc c'est des choses qui commencent tout doucement, mais qui vont être connues. Qui vont être reconnues. Hein, on a la reconnaissance ici. Donc, il y a bien des choses qui vont être vraiment solides au niveau des découvertes et qui vont être sérieuses. Hein, on a une reconnaissance, éventuellement même une reconnaissance par des organisations médicales ici. Hein. Voilà, vous voyez, on a les études qui sortent ici. Donc, il va vraiment, vraiment y avoir, on va analyser ce qui s'est passé. Hein, il va y avoir des études en ce sens, hein, des témoignages, etc., scientifiques, fondés, vérifiables, sûrs à 100%, qui fait que, justement, eh bien, on va avoir les révélations. Et ça va être vraiment reconnu. C'est important, cette carte-là. Il y a la notion ici d'officiel. Et ce qui fait que les gens, bah, vont dire, bah, sans moi, pas de dose supplémentaire. Donc ça va s'arrêter de lui-même, ce passe. À mon avis, hein, c'est peut-être ça que j'avais vu, justement. Parce que, de toute façon, bah, s'ils subordonnent le pass au fait qu'il faut une dose supplémentaire pour voyager, par exemple, eh bien, de toute façon, les gens vont dire, ah bah non, non, ça se fera pas. Voilà. Vous voyez les fameux complotistes qui ressortent, c'est trop drôle. Mais là, c'est pour moi, c'est dans le bon sens du terme, attention. Les corbeaux, d'ailleurs, sont des animaux très intelligents. Voilà. Et puis ensuite, il y aura un renouveau. Bon. Donc mon conseil, bah, suivez mon conseil, hein, franchement, même si je ne détiens pas la vérité, attendez quand même, hein, si le gouvernement arrive avec le genre pas d'injection supplémentaire signifie pas de voyage, voilà, bah, ne le faites pas. Ne le faites pas, parce qu'on va avoir de plus en plus de choses qui vont remonter à la surface, des découvertes, qui fait que les gens vont se dire non, on ne veut pas. Et de toute façon, ici, on voit ici, hein, il va y avoir des gens qui vont vraiment de plus en plus contre. Et puis, il va y avoir aussi des gens qui vont, comment dire, qui vont s'opposer très violemment à ce chantage. Hein. Bon, enfin bref, vous avez compris le jeu, il est relativement simple. Hein. Il est simple à comprendre. Et de toute façon, par la suite, il y aura un renouveau. Voilà. Donc, ne le vous laissez pas, encore une fois, embobiner, hein, par la propagande. Et bah, voilà, donc restez avec votre passe actuelle et n'essayez pas d'aller faire encore une injection supplémentaire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que ce jeu vous a plu. En tout cas, je trouve qu'il est pas mal sorti, hein. Et puis, à bientôt. Au revoir.